ici. Bien sorti, bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique, pas besoin. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival faux cadavres. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir ma tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé, les gars! Sérieusement, c'est débile, vous savez? La ferme! Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu parles? Frappé Ashley, sale ordure! Oh, je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça se fait pas. Chris, sérieux, mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Mais t'es malade? Putain, je crois pas. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur! Putain! Moi, je réunis les gens! Pas comme vous, pauvre con! Ça suffit. Voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, putain! Tu es grand! Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres?
Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement, tellement désolé. Arrête! Stop! Ah, Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Oh. Merde, Mike, ça... Oh. Je sais pas, y a vraiment un truc qui cloche, là. Oh. Quoi, c'est une blague? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il lui a fait. De mes propres yeux. Ça! Ça! C'est son sang! Ok, on peut passer à autre chose. Putain! Ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça devait pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir! Vous pouvez pas me laisser crever ici! Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon! Ah oh stop! Oh, la ferme! T'es le plus grand trouillard qui soit! Ah ouais? J'ai fait des choses! J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru! J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh. C'est tout ce que t'es. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux plus bouger. Des liens en plastique. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise totale. Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Hey, Mike. Mike. Mike! Quoi? Si on parlait de... Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Sale fils de pute! Stop! Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Mais t'allais tirer! J'essayais juste de l'embrouiller. Je voulais lui faire peur. Histoire de lui rendre l'appareil. Bah ouais, mais merde, j'aurais pu le tuer! Calme. Ça va. Il va bien. Ça m'a pas plu de faire ça. Ouais. Là, au moins, il se tait. Tu devrais rentrer au chalet. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Je vais le surveiller jusqu'à demain matin. Et j'ai pas besoin que tu le massacres comme un taré. C'est pas juste. Je pensais que je te protégeais. Ouais. Bah, mission accomplie. Va te reposer. Mais c'est quoi le problème? Bon, allez, retourne au chalet. Vite. Mais... vite! Josh! Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de... Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh, putain. Oh,
bordel, Matt! Ça doit être le chemin. Merde.
lui, vite! Dans la porte, putain! Dans la porte! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir! Putain, tu hurlais à la mort! Est-ce que ça va? Tout retourné! Il y a un truc! Ouais, Matt! Assieds-toi, assieds-toi! Il y avait un truc là-bas! Vous êtes séparés? Un monstre! C'est Attends. Un monstre! T'es sûr que ça va? Je vais bien, rien de grave. Je dois juste me calmer. Merde, il allait si vite! Quoi? J'ai dû le fuir. T'as dû fuir quoi? Il y avait ce truc, je sais pas ce que Timmy, c'était. Timmy, reste calme, Josh nous a embrouillés, mais. Ne m'écoute pas! M, dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'essaie de vous expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait, et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, oh là. Quelles mines? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries, partout. Et c'est là qu'on a atterri, quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée? Comment ça tombée? Je marchais lentement dans les mines. Il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse! Je crois qu'elles sont tombées. Oh, putain de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que... Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi? Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas, crevant de faim pendant des semaines. Quand nous, on l'a cherchée en haut, on savait pas! Putain, c'est... horrible. Écoutez, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. M, t'as réussi. Oh putain, ouais, Mike! Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily, M. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien.